Celle-là? Question de Natalia. Quelle a été ta réaction, Kevin, lorsque tu as vu que Carla et Julien Bert se sont rapprochés dans les Marseillais vs le reste du monde? Je te laisse le découvrir. Ouais, mais quand même, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, tu verras, parce que je pense qu'en fait, c'est pas du tout ce que vous attendez. C'est pour ça. Ouais, mais est-ce que ça a été dur de l'avoir commencé une relation sous tes yeux? Pour moi, personnellement, je suis sûr à 10 000% qu'elle a fait ça juste pour me faire chier. Je suis persuadé que de ça, j'en suis persuadé. Même si, après, le truc, c'est qu'elle est. Elle est. Vraiment, je te dis, là, tu vas voir l'aventure. Je vais pas regarder pour te dire. Parce que j'ai des choses, j'ai pas envie de les voir. Mais vraiment, genre, pour moi, c'était. Je sais pas, pour moi, c'était trop. C'était trop. Fake? Ouais. Buzz? Je pense qu'elle a pensé à ça totalement. Si j'utilise ces mots, c'est parce que ce ne sont pas des mots à moi. Hein. Ce sont les internautes qui pensent soit que Julien Bert utilisait Carla pour le buzz, soit que Carla l'utilisait pour le buzz. Je pense que Carla, elle a fait ça un peu pour ça et un peu contre moi. Parce que clairement, moi, tu t'es dit, il y a 3 jours avant de faire l'aventure, elle était à la maison en pleurs, en train de me dire qu'on se mettait ensemble. Et moi, j'ai pas voulu parce que je savais qu'on allait dans l'aventure et je savais ce qu'elle allait faire. Parce que je sais comment elle est. Donc pour toi, leur relation n'est pas sincère? Je sais pas si Julien, je le connais pas assez, mais franchement, moi, je l'ai trouvé sympathique et je sais pas si lui était pas sincère ou pas. Je peux pas le juger parce que je le connais pas assez pour le juger. Mais est-ce que Carla était sincère envers Julien? Je pense pas. Après, je sais pas. Après, peut-être. Hein. Après, c'est mon avis. Tu vois, c'est mon avis. Tant toi, tu vas regarder ça, tu vas me dire putain, mais c'est l'amour fou, tu es con, Kevin. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est juste que je pense pas. C'est mon avis. Bon, aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Ça t'a soulagé ou pas? J'en ai rien à faire. C'est eux qui l'ont annoncé sur les réseaux sociaux, donc ça on peut d'accord, en parler sans aucun problème. Je l'ai pas, Julien, je le suis sur les réseaux sociaux, mais Carla, on se suit plus, je l'ai bloqué partout. Et les internautes pensent que c'est à cause de toi qu'ils sont plus ensemble, parce qu'apparemment, ils n'auraient pas supporté qu'elle danse avec toi à l'anniversaire de Julien Tanti. Ouais, je le comprends. Ah, on a fait que danser, elle a dit, Carla, elle a dit qu'on avait fait que danser, de toute façon. Tu vas voir, c'est Spielberg, je l'ai pas reconnu du tout. Oui, il s'est repassé quelque chose avec vous? Ouais. Enfin, avec vous. Moi, je sais très bien parler tu français. Verras. Il s'est repassé quelque chose entre Carla et toi dans l'aventure? Je te laisserai voir ça, je peux pas te dire non plus. Vous avez re-eu des rapports proches? Je peux pas te dire tout ça, frérot. Tu veux qu'elle me bute? Non, vraiment, on peut pas dire des trucs. Je te laisserai regarder l'aventure. Je vais pas te spoiler l'aventure. Tu verras s'il se passait quelque chose ou pas. Là, juste en sortant, Carla, elle a dit qu'on s'était juste fait des câlins, on s'était juste fait des câlins, on a dansé ensemble. Ouais, mais si tu me dis ça, j'entends quand même. Non, mais on a dansé ensemble. Ouais. Du coup, je le comprends qu'il était énervé. Ok. Mais moi, je les avais prévenus, hein, tout seul. Tu le verras, hein, moi, quand ils se mettent ça, je leur dis, les gars, moi, perso, j'y crois pas du tout. Quoi. Même à lui, fais attention, quoi. Je pense qu'elle joue. Après, elle est forte.